Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est officiellement l'été ici, il fait très chaud. Donc les vacances approchent, devine que déjà plusieurs d'entre vous sont déjà en vacances. Sinon, si vous êtes comme moi, ça s'en vient. D'ailleurs là-dessus, je tiens à mentionner que je vais prendre une pause avec les épisodes, avec les diffusions en fait, cet été. Donc, je prévois prendre une pause peut-être jusqu'à la mi-août, fin août. Vous surveillez mon compte Twitter, bien sûr, pour les prochaines diffusions. Donc, aujourd'hui va être la dernière. Écoutez, c'est l'été, il fait chaud. Dans mon bureau, il fait chaud aussi. Je suis obligé de fermer la porte, allumer la lumière pour faire les diffusions. Donc, ça devient peut-être inconfortable un petit peu. Et aussi, comme vous êtes en vacances, je devine la plupart d'entre vous allez écouter en rediffusion ou pas écouter du tout. Donc, c'est peut-être mieux dans ce cas-là de prendre une pause pendant l'été, ce qui fait plein de sens. Et en fait, ce que je prévois faire pendant l'été, c'est peut-être retravailler un petit peu le format de mes diffusions, améliorer certaines choses. Donc, entre autres, j'ai un problème de stabilité de caméra. Là, quand je tape sur le clavier, on voit que ça branle à l'écran. Donc, on va essayer de travailler là-dessus pendant l'été pour améliorer la diffusion. Et revenir en force à l'automne. Donc, pour ceux qui ont écouté la musique en intro, je suis obligé de faire une petite note ici. J'ai pris la musique, c'est des extraits d'un site web qui s'appelle bensound.com. Donc, je suis obligé, les droits sont gratuits en même temps qu'on mentionne qu'on a utilisé leur musique. Donc, je viens de le mettre dans le chat. Il va falloir que je le mette dans la description du vidéo aussi, c'est leur condition d'utilisation. Mais c'est la musique quand même libre de droits. Juste un rappel encore une fois que tous les émissions, les diffusions sont archivées sur YouTube. Pour simplifier un petit peu le lien, j'ai fait un bit.ly pardon, que je mets dans le chat aussi encore une fois. Donc, pour ceux qui réécoutent en rediffusion, vous allez le voir dans la description de la vidéo, pardon. Donc, juste pour faciliter l'accès, alors tout ce que je fais comme émission est archivé sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé, sur quoi j'ai travaillé dans les 2 dernières semaines depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Eh bien, je pense qu'il y en a qui ont écouté mercredi la suite de l'installation satellite de mon serveur satellite. En fait, j'ai poursuivi l'installation cette semaine. Je l'ai fait en stream sur Twitch, peut-être 1 ou 2 heures de temps, et j'ai poursuivi par la suite. Une fois que le stream a terminé, la diffusion a terminé au travers Twitch, j'ai regardé sur YouTube, pas sur YouTube, mais j'ai regardé la rediffusion et c'était horrible, honnêtement, c'était vraiment horrible. Je tiens à m'excuser pour les gens qui suivaient, qui regardaient l'émission. On avait un décalage de son qui est vraiment pas le fun à regarder. Puis aussi, au niveau de l'installation, la configuration de satellite, la suite n'a pas été facile. J'ai frappé quelques problèmes. Pour lesquels j'avais pas vraiment de solution. Donc ça a été un petit peu plus long. Fait que pour toutes ces raisons-là, en fait, j'ai décidé de pas archiver cette vidéo-là. Fait que c'est vraiment horrible. J'essaie de produire du contenu de qualité. Et je trouvais que la qualité n'était pas au rendez-vous du tout. Donc, par contre, j'ai quand même continué l'installation de mon serveur satellite. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu ce qui a été fait, ceux qui n'étaient pas là mercredi, je vais mettre dans le chat le lien, puis je vais le montrer à l'écran aussi. Donc, j'ai fait un petit pad sur un Etherpad public, celui de Mozilla, qui indique les étapes d'installation et configuration de mon serveur satellite. Donc, ce qu'on a fait ensemble lors de la première épisode, jusqu'à ce que j'ai continué à faire cette semaine. Donc, je suis pas très documenté, je vais peut-être le bonifier là, dans les la semaine prochaine, j'ai un peu de temps, donc je vais bonifier l'information. Somme toute, j'ai pas réussi à faire marcher, en tout cas, j'ai pas réussi à trouver comment fonctionne l'EasySync. Donc j'ai été obligé de synchroniser le canal REL au complet finalement pour pouvoir attacher des serveurs et commencer à approvisionner. On a installé mercredi ensemble Cockpit par-dessus, super le fun pour monitorer notre serveur satellite. Donc j'ai mis le lien ici pour installer Cockpit sur un serveur satellite. Il y a une petite opération à faire au niveau de changer le port de Cockpit parce que le port est déjà utilisé par des composantes des satellites. Je n'ai pas mis à jour 6.3.2 encore, je suis toujours dans 6.3.1, je compte le faire la semaine prochaine. Où j'ai vraiment focusé mon temps cette semaine, c'est sur la configuration du provisioning. Et évidemment, j'ai frappé des problèmes. Donc, j'ai trouvé dans la documentation officielle, on ne donne pas tout à fait la bonne information. Donc, j'ai soumis ça à l'interne.
Et déjà, on avait des révisions de documentation à ce propos-là. Donc, le gros problème que j'ai frappé, j'essaie de configurer le provisionnement de mon travers IPX. C'est le mode par défaut lorsqu'on démarre des VM en KVM. Donc, c'est le mode IPX qui est appelé. IPX passe pas au travers HTTPS, passe juste au travers HTTP. Donc, c'est pour ça que j'ai eu des petits problèmes. D'ailleurs, la documentation est déjà corrigée. Donc, je vous passe le lien. En tout cas, vous le voyez dans le document Letterpad ici, mais ça a été corrigé, je pense, cette semaine, suite aux interventions que j'ai faites et d'autres collègues, en fait, qui avaient aperçu du problème. Autre chose que j'ai été obligé de manipuler au niveau de la configuration, c'est la configuration du subnet. Qui n'était pas complète en fait. On l'a fait ensemble lors du premier épisode, mais en fait, il nous manquait une information importante à la solution IPAM. J'avais mis Anon, mais en fait, il faut mettre DHCP, donc il faut être capable, faut donner la capacité à Satellite de provisionner des adresses IP, tout simplement. Donc, j'ai revisité ça et par la suite, le provisioning s'est mis à fonctionner. Donc, je vais continuer la semaine prochaine. Comme j'ai un peu de temps, je vous dirais que c'est les vacances. Les gens, on a beaucoup moins de rencontres en clientèle. Donc, ça permet de faire ce genre de travail-là qu'on n'a jamais le temps à faire pendant la semaine. Donc, si vous entendez crier ou chanter, en arrière, c'est mes enfants. Mes enfants sont en vacances, bien sûr, comme la plupart des enfants aujourd'hui au Québec. Ils sont de bonne humeur parce qu'on s'en va en camping en fin de semaine, donc ils ont très hâte. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour Satellite, pour ce qui s'est passé avec Satellite. Encore une fois, désolé là, de ne pas pouvoir, pour la partie 2, en fait, de la configuration de Satellite. Peut-être qu'on pourra faire plus des capsules, parce que quand même, installer un logiciel comme Satellite, et même, on a d'autres logiciels qui seraient intéressants à présenter en stream, mais qui sont trop longs à installer. Donc, peut-être faire plus des petites capsules à la place. Ça va être plus efficace, moins ennuyant pour vous. OK. Donc, quoi d'autre? Sur quoi on a travaillé à part ça? C'est quoi j'ai travaillé à part ça cette semaine? J'ai validé mon Ansible Windows Workshop une seconde fois. Et je ne dirais pas ma grande surprise, mais comme je m'y attendais, notre processus est cassé. Le processus de provisioning, en fait, des environnements dans Azure. Pourquoi? Il y a eu un changement, encore une fois, au niveau des API d'Azure, ce qui fait que les modules Ansible ont dû être mis à jour. Donc, notre provisionneur était cassé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis à jour les modules Azure. Et par la suite, tout s'est bien passé. Donc, à faire attention lorsque vous travaillez avec Ansible et les modules Azure, là, maintenez vos modules Azure à jour, parce que sinon, c'est le genre de problème qu'on peut faire face. Donc, c'est un petit défi. On n'a pas ce défi-là avec Amazon qui offre une API assez stable qui ne change pas beaucoup. Microsoft Azure, je vous rappelle, est quand même un des derniers clouds publics qui est apparu, donc sont encore en gros travaux à ce niveau-là, je devine. Et finalement, j'ai fait quelques rencontres encore pour discuter des satellites, justement. Ma démo de satellite a été utilisée cette semaine chez un client. Et on a parlé aussi chez certains clients des IDM. IDM reste un produit assez populaire chez nous. C'est pas un produit qu'on vend, c'est un produit qui vient avec la plateforme, mais c'est un produit qui a beaucoup d'intérêt, encore une fois, chez les clients IDM. On fera peut-être aussi des capsules sur IDM dans des futures discussions. Au niveau des annonces, même annonce que la semaine passée, on a le Rogue à Montréal qui s'en vient la semaine prochaine, en fait dans 2 semaines, le 12 juillet. Donc je mets le lien ici. Je peux vous montrer à l'écran un petit peu où on est rendu avec les inscriptions. Je peux vous dire que ça va très bien. Si je veux m'enregistrer aujourd'hui, il reste seulement 17 places. On est limité en espace au bureau. On a une cinquantaine de places. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous enregistrer. Ne tardez pas à vous enregistrer. On reprend ce qu'on a fait à Québec, une version améliorée même. Sinon, sortie cette semaine, en fait, dans les 2 dernières semaines, la plus grosse sortie, c'est RL 6.10. Qui est la dernière version de la famille de RHEL 6 qui est sortie le 19 juin. Pas de gros changements. Je peux vous mettre la release note juste ici, encore une fois dans le chat. On peut la regarder ensemble à l'écran. Pas de gros changements ici, c'est vraiment la correction de bug. On est rendu en maintenance phase 2 ou 3, là, je ne me souviens pas exactement avec 6, donc plus vraiment de nouveautés. Qui vont arriver dans 6, c'est vraiment du maintien, comme c'est encore supporté. Donc, je voulais juste voir, effectivement, je voulais juste aller voir les nouvelles fonctionnalités.
Bref, il y en a quelques-unes, des updates de logiciels et ainsi de suite. Je pense qu'il n'y a rien de majeur, là, vraiment. On va le voir ici, côté général update. Ouais, ça même, il y a un petit bug là, au niveau de la note. On parle de Red Hat 7. Donc, vraiment, c'est de la maintenance, tout simplement. Sinon, quoi d'autre? Ce qui a été annoncé aussi, c'est toutes les présentations, les decks, ou pratiquement tous les decks du Red Hat Summit sont maintenant disponibles. Donc, je vous mets ça dans le chat pour ceux qui veulent suivre. Donc, tous les decks, en fait, avaient déjà des vidéos qui avaient été qui sont affichées. Mais on a vraiment ici tous les decks. Puis en passant, ben, vous avez accès aux présentations des années précédentes ici. Donc, ce qui est intéressant. Donc, par exemple, vous cherchez, je vais au hasard, là, TensorFlow. Je me souviens avoir vu quelques présentations là-dessus au Summit. Évidemment, je suis pas chanceux. Probablement qu'elle n'a pas été annoncée encore. Allons-y avec ce qu'on a vu beaucoup au Red Hat Summit. OpenShift. Donc, toutes les présentations d'OpenShift. Donc, sur le lien ici, ça me donne accès au PDF, en fait. La présentation en question. Sinon, si vous reculez un petit peu dans le site, vous avez bien sûr accès aux vidéos. Une grosse partie des vidéos, pas une grosse partie, mais une certaine partie des sessions qui ont été filmées, c'est pas toutes les sessions. Donc, vous pouvez garder ça en note si c'est intéressant. Sinon, juste en rappel, Red Hat Summit l'année prochaine, en 2019, du 7 au 9 mai, on revient sur la côte Est à Boston. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller encore au Red Hat Summit, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est un must à voir une fois dans sa vie professionnelle. Vraiment une super semaine. Cette année, j'ai vraiment adoré, je répète, je me répète parce que j'ai déjà dit dans les dernières émissions, j'ai adoré le Summit. J'ai très hâte à l'année prochaine à Boston. Sur la côte Est, généralement, il y a encore plus de monde du Québec qui se déplace pour y aller. Ça se fait très bien en auto. D'ailleurs, moi, je le fais en auto, je le fais pas en avion. Et à chaque année, j'offre aux gens de Québec qui veulent faire le déplacement avec moi, vous êtes les bienvenus. Donc, on va reprendre ça en 2019, du 7 au 9 mai. Quoi d'autre au niveau des trouvailles cette semaine? J'ai trouvé ça super ici, tiens, au niveau des formations. Quelque chose dans mon travail qui revient souvent. En fait, je rencontre les clients, je rencontre beaucoup de clients toutes les semaines. Parler de nos produits, parler comment implémenter nos produits, comment les utiliser, donner des bonnes pratiques. Il y a beaucoup de clients qui se lancent souvent dans nos produits, puis ah, moi je suis capable, je suis très débrouillard, je vais embarquer dans le produit, puis ça va bien aller. Effectivement, il y en a qui sont plus débrouillards que d'autres, mais il n'y a rien, je vous dirais, qui vaut une bonne vieille formation, de passer, de vraiment se concentrer un 3-4 jours, peut-être même plus, dépendamment des produits. Histoire de gagner du temps de un, puis vous donner tout de suite les bonnes pratiques, parce que c'est sûr que vous pouvez creuser à gauche et à droite avec Google sur Internet, essayer, erreur, mais vous allez passer quand même un temps assez important. C'est ce que la formation, en fait, vous fait gagner, ce temps précieux-là, puis vous donner les bonnes valeurs, les bonnes pratiques tout de suite. Et en fait, ici, j'ai un petit document super intéressant que j'ai trouvé. D'IDC, ici, qui parle de l'importance, en fait, des certifications, de bien se traîner. Donc, on va le regarder ensemble. Vraiment une super belle présentation. Je vous passe ça à l'écran. OK. Donc, regardez la qualité de la présentation. Les IDC, généralement, font des super présentations. Si vous n'avez jamais vu IDC ou Forrester Gartner présenter, c'est très riche, la présentation. Et contient d'informations super intéressantes. Oui, je l'ai peut-être dit biaisé, peut-être à l'occasion, mais il reste que je pense qu'une bonne lecture du marché. Qu'est-ce que ça en vient? Donc, je l'invite à la consulter. Plutôt, ce que je veux vous mentionner ici, c'est un peu ce qui ressort en termes de chiffres. Des chiffres super intéressants. Donc, quelqu'un qui se fait former, qui est certifié sur un produit en question, prenons par exemple Satellite ou prenons OpenShift, donc qui sont des produits qu'on déploie beaucoup en ce moment. Donc, on parle de 67% de moins de downtime parce que la personne qui a été traînée a tout simplement mieux monté le système et est plus solide, peut-être, avec les bonnes pratiques en termes de haute disponibilité aussi. Par exemple, je prends OpenShift, il y a un certain nombre de nœuds qui doivent être déployés si on veut l'avoir redondant. Donc, c'est des choses qui sont
sont circulés dans ces formations-là. 49% de plus de serveurs physiques par employé, 25% moins d'employés par machine virtuelle, 50% que vous gagnez en temps de résolution lorsqu'il y a un problème, parce qu'encore une fois, vous allez savoir où chercher plus les logs. Donc, il y a des chiffres vraiment assez importants qui sortent dans ce document-là. Donc, j'invite à le regarder et puis à le partager peut-être avec vos managers pour vous dire, écoutez, j'aimerais ça me faire traîner sur un produit, puis voici là, ce que IDC dit. Donc, c'est des chiffres intéressants, c'est des gros chiffres. Puis ça, je vois la différence. Moi, quand j'arrive chez un client va m'indiquer qu'il y a un problème avec un logiciel. Je vais dire, est-ce que tu as eu la formation? Non, mais dans la formation, ces aspects-là sont touchés. Versus lorsque je vais rencontrer des clients qui sont constamment en formation ou tout simplement qui viennent à nos rugs, qui regardent ce que je fais comme présentation, on voit la différence. Les gens sont plus allumés, les gens sont plus réactifs et les problèmes sont généralement plus compliqués aussi. Donc, c'est belle petite trouvaille que j'ai fait. Je pense que je tenais ça important de partager avec vous parce que c'est une problématique que je vois beaucoup. Beaucoup de gens, encore une fois, se lancent dans les produits sans être formés. Et on perd un temps fou. Qu'on fait. Moi, le premier, en fait, j'adore aller chercher les trainings Red Hat lorsqu'on a un nouveau produit. J'aime aller prendre le temps de suivre, de regarder avant de commencer à conseiller les clients. Donc, si je continue aux autres trouvailles, ça va nous amener au sujet principal. Aujourd'hui, on a quatre sujets intéressants. Donc, je vous mets ici un petit. J'adore les cheat sheets. Il y en a plusieurs qu'on trouve sur Internet. Ici, j'en ai une. C'est Advanced Linux Command Cheat Sheet. Donc, je vous mets le lien ici. On va regarder ça ensemble. De quoi ça ressemble. Et ça va nous amener au prochain sujet. Donc, ce que vous remarquez ici, c'est une cheat sheet qui a été postée. Ça fait quand même un petit bout. Là. On date de presque un an et demi. Mais je la trouve super intéressante. Donc, si je veux la downloader ici, ce que ça me dit, c'est que je dois me loguer pour aller chercher cette feuille-là, cette feuille de truc-là sur des commandes en Linux qui vont me permettre de installer un serveur web ou manipuler un serveur web. Donc, des choses que je suis certain que plusieurs d'entre vous font régulièrement. Donc, je trouve ça super intéressant, cette cheat-là. Mais pour y avoir accès, il faut se loguer. Où je suis présentement? Je suis sur le site Red Hat Developer. Donc, ça m'amène à parler des prochains sujets. Donc, pour se loguer ici, il faut créer un compte sur Red Hat Developer. Red Hat Developer, sachez que c'est un site qui est totalement gratuit chez nous. C'est un site qui vous donne accès à accès à nos logiciels gratuitement, donc pas besoin de s'abonner. Mais sachez que on va revenir sur le sujet dans quelques instants, là, mais sachez qu'il y a quand même des limitations ici, et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans quelques instants. Donc, pour télécharger cette sheet-là, faut se créer un compte. Le compte est gratuit. Je crois que vous pouvez utiliser le même que sur le portail client que vous utilisez déjà du côté Red Hat. Sinon, vous créez un compte flambant neuf. Donc, on va en avoir besoin pour la suite de l'émission aujourd'hui, justement. Je veux vraiment approfondir cette section-là de notre site web qui est super intéressante, qui va vous intéresser aussi, je suis convaincu. Donc, si je vais voir maintenant, avant d'aller un petit peu plus loin, là, juste vous montrer la cheat sheet. Je l'ai cheat, pardon, c'est dur à dire, un cheat sheet. Donc, pour des Français, là, peut-être que c'est plus difficile, des francophones. Donc, je l'ai downloadé juste ici. Donc, juste vous montrer, oups. On va mettre ça ici, c'est un PDF. Donc, juste vous montrer, c'est des petits trucs qui vous permettent d'installer un serveur web avec un serveur base de données, avec PHP. C'est assez basique, qu'est-ce que ça donne comme information, mais ça montre où aller chercher les logs, diagnostiquer les problèmes de réseau, tester notre serveur en mettant des fichiers de test, tester l'API, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi les permissions qu'il faut mettre sur les fichiers lorsqu'on gère un serveur web. Donc, c'est un rappel mémoire, en fait, qui est super intéressant. Donc, si vous administrez des serveurs web, je suis convaincu que c'est le cas. Donc, c'est super intéressant d'avoir ce genre de cheat sheet-là, pardon. On l'imprime, on le garde tout proche de notre bureau. Okay, donc, c'était une des trouvailles cette semaine que j'avais à partager avec vous. Sinon, on arrive maintenant, fini les annonces, on arrive au sujet principal. Donc, j'ai quatre sujets aujourd'hui. Mon plan, c'est de finir pour 1 heure aujourd'hui, car j'ai un après-midi quand même assez chargé au menu.
Sujet, première étape, premier sujet aujourd'hui, pardon, ce que je veux parler, c'est les REL, l'accès à Red Hat Enterprise Linux de façon gratuite. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. On va en clientèle, on rencontre les gens. Ouais, mais mes développeurs, je n'ai pas payé des licences pour mes développeurs parce qu'ils développent avec le produit, on n'a pas besoin du support de Red Hat. Donc, jusqu'à là, quelques mois, c'était impossible. En fait, il fallait payer des abonnements du côté Red Hat. Maintenant, Red Hat Enterprise Linux, c'est gratuit pour les développeurs. Donc, ça se fait au travers du site que je vous ai montré tout à l'heure, le site web dédié aux développeurs. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir accès à ce REL gratuit-là, et on va l'essayer ensemble, en fait, dans les prochaines minutes, il suffit juste d'ouvrir un compte et automatiquement, ça va peupler sur le portail client. Un certain nombre d'abonnements. On va aller voir ensemble la quantité d'abonnements réels qu'on va chercher. Et c'est pas juste réel, c'est aussi tous les add-ons, Ansible, entre autres, Engine qui est là. Donc, ça vous donne accès à tous ces canaux-là sans avoir à payer aucun abonnement. OK. Donc, on s'en vient ici. On s'en vient d'un plein écran. On va regarder ça ensemble. Donc, si on veut tout d'abord aller chercher nos abonnements gratuits, on vient cliquer sur le bouton Free Subscription ici. Okay, et on va en fait répondre aux questions qui posent en fait votre courriel, votre mot de passe et ainsi de suite, que vous acceptez les termes et conditions. Justement, allons voir les termes et conditions de l'utilisation de ces abonnements-là. Très important, vous pouvez l'utiliser à la maison, vous pouvez l'utiliser en entreprise, mais tant que ça reste dans le cadre de développement, donc pas de serveur en production, pas de serveur sur Internet, pas de workstation sur lequel vous roulez peut-être des bases de données. Donc, c'est vraiment vraiment fait pour... J'ai entendu un petit son. Un drôle de son. Donc, c'est vraiment fait pour des développeurs qui veulent accéder en fait au code de Red Hat, qui veulent accéder au à REL et tous les sous-canaux pour développer des applications qui éventuellement vont être utilisées en production. Donc, c'est ce que ça dit dans le terme et condition, mais c'est complètement gratuit, encore une fois. OK. De mon côté, j'ai déjà fait l'enregistrement pour gagner du temps. OK. Via mon compte Gmail. Donc, on va aller voir ensemble ce que ça nous donne en fait cet abonnement-là. Okay, j'étais déjà comment on fait pour ça? Pourquoi je peux pas me loguer? J'aime ça, les petits problèmes de même. Il y a un petit problème. Comme je me suis déjà connecté avec mon compte sur Access probablement. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement, on va passer en mode incognito et on va aller sur developers.red hat.com et on va reprendre ça. Donc ici en mode incognito, on n'est pas logué nulle part. OK, donc ça fonctionne. Donc je connecte avec mon nom. Donc j'ai mon compte. Si je vais dans le portail Customer Portal maintenant, et je vais voir les abonnements sur lesquels j'ai accès. On doit se reloguer parce que c'est un autre système. On prend les mêmes credentials qu'on a utilisés sur developer.redhat.com. Et vous allez voir, je vais avoir un abonnement d'actif qui est ici. Donc je vais pouvoir utiliser. Donc, c'est un Red Hat Developer Subscription. Il y a une date limite qui peut être renouvelée sans problème à l'expiration. Encore une fois, totalement gratuit. Et ce que je vois, j'ai 16 abonnements REL disponibles, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va aller utiliser, consommer ces abonnements-là. Je vais venir dans un REL 7.5 que j'ai installé ce matin, tout spécialement pour cette démonstration-là.
Donc, on va s'enregistrer ici. On va aller voir qu'est-ce qu'on a accès comme channel réel. Donc, on va faire un subscription manager. Là, je vais grossir la police parce que je devine qu'à l'écran, c'est pas très gros pour vous. On va mettre 114 ici. Donc, une petite réelle qui est dans un boxy ici, en fait, qui est une machine virtuelle KVM, mais avec un petit enrobage boxy, une petite application super intéressante du côté Fedora. Donc, je vais m'enregistrer ici de 1. Je vais prendre les credentials que j'ai créés sur développeur.redhat.com. Oups. Okay, mon Gmail. Et le mot de passe magique. Donc, ça, c'est la première étape. Il faut s'enregistrer. Donc, ça a fonctionné. Le système m'autorise à me connecter. On a un petit problème ici. On n'a pas d'abonnement désigné. Donc, deuxième étape, c'est d'aller voir ce qu'on a de disponible comme abonnement. Available. Oh, excusez. On va le voir. C'est vendredi. Donc, je vois en fait ce que j'ai disponible comme abonnement. Je retrouve le chiffre 14 parce que j'ai consommé pour d'autres démonstrations. Donc, c'est du physique. Donc, ça veut dire pas nécessairement du physique. On peut le mettre sur du virtuel, bien sûr. C'est juste que pour chaque machine physique, ça va consommer un certain nombre de sockets. Donc, si vous installez cette licence-là sur une machine physique qui a 4 sockets, ça va consommer 4. Sinon, c'est vraiment des VM. Donc, j'ai accès à 14 VM. Actuellement avec cet abonnement-là. Donc, pour m'enregistrer, je fais un yum subscribe, j'ai un petit blanc, moins pool est égal, et le chiffre magique qui est ici, là, le pool ID. Ce pool-là, vous ne pouvez pas l'utiliser en dehors de mon compte, là, même si vous voyez rien de secret dans ça, c'est associé à un compte en particulier. Donc, ça vous prend mon mot de passe pour se connecter. Donc, je m'abonne. Là, ici, on a un comportement, vous allez voir, un comportement de Subscription Manager, bon, des fois qui m'agace. Par défaut, il va vous enregistrer à des repos. Donc, on va aller voir ces repos-là. Juste voir les repos sur lesquels, on va voir si le fil ne fait pas tout le temps. Il nous souscrit à des repos qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, on est souscrit à RHEL 7 Server RPM, puis j'ai ici Real Time. Pourquoi? Je ne sais pas de où ça sort Real Time. C'est peut-être l'abonnement qui fait ça par défaut. Alors moi, ce que je fais généralement comme première étape, je vais faire un repo, moins disable, pour tout nettoyer, parce que là, c'est bien, il n'y en a rien qu'un, mais des fois, on en a des dizaines, donc on ne va pas faire ça manuellement. Donc en faisant un repo disable, on va dire à Subscription Manager, enlève-moi tous les repos, puis je vais remettre vraiment les repos que je veux garder. C'est sûr qu'ici, ça aurait été plus simple de supprimer juste celui-là. Mais des fins pratiques en fait. Oui. Donc ce que vous voyez ici en fait là, c'est tous les repos pour lesquels l'abonnement a accès. Regardez la quantité de repos. Donc c'est tout ce qui est réel. On a même, je ne sais pas pourquoi, là, on a des outils OpenStack qui se retrouvent dans ça. Donc en fait, c'est tout donné. C'est les canaux pour lesquels vous pouvez souscrire votre abonnement réel. Tous les extras, les canaux extras. Vous avez Vincible dans ça, CDK pour Atomic, il y a même du satellite là-dedans, il y a vraiment beaucoup de stock. Je me demande si, de mon côté, c'est pas mon abonnement employé qui interfère avec mon compte. Pourtant, c'est vraiment deux emails différents, mais bon. Peut-être que vous n'aurez pas la même output. Donc, une fois que j'ai désactivé, je vais tout simplement re-enabler ceux que je veux. Et généralement, ben, je veux commencer avec RHEL 7 Server RPM, qui est le canal par défaut de RHEL 7. Donc à partir de ce moment-là, je peux faire les mises à jour. Donc, sans payer rien, là, j'ai créé un nouveau compte et j'ai accès au contenu Red Hat. Non seulement j'ai accès à. Si je fais un list update, je sais, non seulement j'ai accès au code et aux mises à jour Red Hat, mais vous avez accès aussi à toute la base de connaissances. Donc, on la rend disponible aux développeurs aussi. Donc, je pourrais lancer les mises à jour tout simplement. Donc, ces opérations-là que j'ai faites, je les ai faites manuelles. C'est des opérations Subscription Manager qui sont obligatoires si vous voulez aller abonner votre système et aller recevoir les patchs. C'est quelque chose que je trouve lourd à faire. Il y a 3-4 commandes, désactiver les repos, faire quoi que ce soit. Choisir les repos qu'on veut réactiver.
Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un playbook Ansible pour faciliter ce travail-là. Donc, je vous montre ça juste ici. Je l'ai partagé sur mon GitHub. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ça s'appelle subscription.yaml. Regardez comme c'est simple ici. OK. Donc, c'est un playbook qui enregistre mon rel, qui l'attache au pool ID. Là, j'ai masqué le mot de passe qui est ici, bien sûr. J'enlève tous les répertoires et j'active rel 7 RPM. Donc, si je refais tout ça d'ici, OK, c'est sûr qu'il est déjà tout fait. Ça va aller assez vite, mais comme Ansible est indépendant. Donc, ça évite de faire ces opérations manuelles là. Donc, c'est un petit playbook super pratique. Donc, je l'ai partagé sur ma page GitHub. Je vous montre ça dans quelques instants. On va laisser compléter le playbook. Ah, donc, dans le fond, c'est vrai, cette étape-là, il va le refaire. Donc, désactive tous les repos et les réactive les bons. Donc, très pratique d'avoir ce genre de playbook-là. Si vous avez à manipuler plusieurs serveurs par jour, ou même par une fois ou deux par semaine, c'est toujours le fun de sauver ces commandes-là de Subscription Manager. Donc, on va le laisser rouler. Pendant qu'il roule, je vais aller vous montrer sur GitHub où le trouver. Donc, sur ma page GitHub, je pourrais. Oups. Vais sortir de là. GitHub juste ici. Vous cliquez sur mon profil. En fait, vous avez un repo Ansible. Et on le retrouve caché. Voyons, subscription.yaml, il est juste ici. Donc, encore une fois, faites attention, changez ces informations-là qui est ici. D'ailleurs, tenez, tiens, je vais faire une petite correction tout de suite. Là. On va enlever le user, le courriel pour recevoir de spam. Tiens, juste une. Commit fix fix again. Vous allez pouvoir aller chercher ce petit playbook-là qui est super le fun. Donc, on va aller voir si c'est terminé ce côté-ci. Oui, c'est terminé. Donc, si je reviens. En boxy qui est juste ici, je refais mon list update. Donc, je devrais avoir accès à mes mises à jour. Oui. Donc, ça n'a rien changé. Donc, c'est ce que j'avais vous montré pour Red Hat Developer. Super le fun, accès à des abonnements réels gratuitement. Idéal pour la maison, bien sûr. Et ça peut être pour le développeur. Vous avez accès à la base de connaissances, mais vous ne pouvez pas ouvrir de tickets, bien sûr, parce que c'est gratuit. Si vraiment vous voulez ouvrir des tickets, vous avez des développeurs qui développent avec nos produits. Veulent ouvrir des tickets parce qu'ils ont des problèmes. Là, ça va prendre vraiment une licence pour développeurs. On offre ce genre de licence-là aussi. Mais pour la maison, pour faire des tests, s'amuser, découvrir RHEL, c'est une bonne façon avec RHEL Developer. Donc, c'est le premier sujet que je voulais couvrir. Deuxième sujet, bon, on vient de le couvrir ensemble, c'est Subscription Manager. En fait, vous donner des petits trucs, vous donner ce playbook-là. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui, vous donner un playbook pour faciliter l'enregistrement. C'est rien de vraiment compliqué, mais super le fun. Autre chose que je veux vous montrer, Étienne, dans le chat, pour ceux qui ne sont pas habiles avec Subscription Manager, je vais mettre deux articles dans le chat. Puis je vous montre ça dans quelques instants. On a comment bien démarrer avec Subscription Manager, donc les premières commandes et même plus. Puis on a encore une fois, comme je dis, j'adore les cheat sheets. Hein? Donc il y en a une aussi pour Subscription Manager. Donc je vous montre ça à l'instant, qui est assez complète. Je vous dirais que beaucoup de commandes sur ça, je n'ai jamais utilisé. Mais encore une fois, c'est une bonne cheat sheet à faire imprimer et garder très proche si vous manipulez souvent les abonnements chez Red Hat. Donc, super truc dans ça. En fait, un des trucs que j'ai trouvé dans cette cheat sheet-là, puis je peux peut-être vous le passer juste ici en exemple, c'est le truc, je ne sais pas si vous saviez. Donc, quand je veux m'abonner à un repo, dans le passé, moi, je faisais vraiment un repo à la fois, mais c'est possible à partir d'une seule commande de taper repo moins moins enable le nom du repo et encore si vous voulez activer un deuxième repo le faire sur la même ligne. Donc c'est des petits trucs qui sont communiqués qui sont passés dans ce cheat sheet là. Alors, il y a beaucoup de commandes, il y a de la config qu'on peut aller chercher avec les commandes, des configs qu'on peut modifier de Subscription Manager, mais c'est pas il y a beaucoup de commandes dans ça que j'ai jamais utilisé là. Là, je vous laisse le découvrir, super cheat sheet, intéressant. Sinon, l'autre document que je vous ai passé,
C'est celui-là ici. Qui est Getting Started with Subscription Manager. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure ensemble, d'une façon plus détaillée, il y a une fonction automatique que je n'utilise pas ici. Dans mon cas, j'aurais pu l'utiliser dans le code développeur parce que j'ai juste un abonnement, mais lorsque vous avez plusieurs abonnements, le auto, des fois, attache pas pas des abonnements, des contrats, excusez. Parce qu'un contrat contient plusieurs abonnements. Donc, si vous avez plusieurs contrats, l'auto va prendre le premier qui est en haut, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc, faites attention avec Attach Auto là, si vous avez plusieurs contrats avec Red Hat. Et ici, des petits trucs aussi avec Yum. Comment c'est enregistré, les fichiers qui sont impliqués. Des fois, on va avoir des erreurs étranges avec Subscription Manager. Donc, ici, on indique la procédure. Bon, comment faire un clean? Clean, ça supprime tout, ça désenregistre. Ça ne dérangeait pas sur le portail, faites attention à ça par contre, là. Et les fichiers clés pour faire l'enregistrement. Donc, bel article ici qui explique tout comment ça se passe du côté Subscription Manager. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Subscription Manager aujourd'hui. Composante quand même assez importante pour aller chercher les mises à jour du côté REL. Sans Subscription Manager, vous vous connectez pas au portail. Si vous avez un serveur satellite, vous ne pouvez pas vous connecter au serveur satellite. Donc, c'est l'outil vraiment qui permet de vous donner accès aux mises à jour et aux repos qui ne sont pas inclus dans l'installation de base de satellite. Et finalement, n'oubliez pas le petit playbook, très pratique, playbook que j'ai partagé si vous utilisez Ansible pour automatiser ce processus-là qui peut être long parfois. Surtout si on a plusieurs canaux à activer. Vous avez plusieurs aussi, ce que je n'ai pas mentionné dans mon playbook, vous pouvez rajouter, si vous avez plusieurs contrats, différents pool ID, donc. On peut tout rentrer ça dans le playbook et rendre ça de façon automatisée. Autre sujet que j'avais à vous parler aujourd'hui, genre il m'en reste deux, en fait, on va faire ça assez vite parce qu'on approche déjà 1 heure, le temps file vraiment vite. Ansible Pool, je vais vous parler d'Ansible Pool, un petit projet super intéressant. En fait, c'est une série d'articles, je vous montre ça, je vous la mets dans le chat. Une série d'articles qui est sortie sur opensource.com, pardon. On a opensource.net.org sur opensource.com qui permet de. En fait, c'est des playbooks qui permettent de gérer votre poste de travail en utilisant Ansible. Donc, lorsqu'on monte son poste de travail, généralement, ce qu'on fait, on configure les sudoers, on configure les usagers, on met un fond d'écran, on installe des packages aussi qui ne sont pas dans peut-être de base ou qui ne viennent pas de base installés avec le OS. Donc, c'est ce que la série d'articles, c'est 3 articles ici qui montrent en fait comment configurer, créer un playbook pour gérer, configurer son desktop. Et je l'ai fait, j'ai fait les 3 articles, je vous montre ça. En fait, le truc ici, c'est qu'on utilise Ansible Pool. Et non Ansible traditionnel. Donc, on n'a pas de serveur Ansible. On installe le serveur, on installe Ansible directement sur le Workstation et il va chercher la configuration qui est stockée où? Sur GitHub. OK? Donc, je vous montre ça ici sur mon GitHub directement. Donc, sur GitHub, j'ai un. On va aller dans mon profil pour voir. Oups. Workstation ici. Donc, c'est des playbooks que j'ai créés, en fait, qui vont permettre, basés sur l'article, puis je les ai modifiés un petit peu, qui vont permettre, en fait, de configurer ma machine. Juste vous montrer les tâches qu'on fait faire. Donc, si je remonte mon laptop demain matin, je lance ce playbook-là, ça va configurer Chrome, mais je reviens sur Chrome dans quelques instants. Ça va configurer certains éléments dans GNOME, OK? Des paquetages que je vais installer. Donc, HTOP, Scream, Vim, c'est des paquetages que j'utilise sur une base régulière, donc qui ne viennent pas installer par défaut lorsqu'on installe Fedora ou RHEL. Et finalement, les usagers. Donc, si je crée un usager Ansible qui va être invisible au login, en fait, qui va permettre tout simplement de lancer les playbooks en utilisant l'usager Ansible. Donc, c'est tout. Donc, tout ce que j'ai à faire, il faudrait que je fasse une modification pour que ça fonctionne. Je vais aller dans les paquetages. Une idée de paquetage qu'on pourrait installer, qui n'est pas installé. Il va falloir que je regarde ça ici. Oups. DNF search. Qu'est-ce que je pourrais installer vite, vite? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur Twitch? J'ai déjà GIMP d'installer. Je cherche quelque chose que je n'ai pas d'installé. DNF search.
PDF, tiens. Juste pour le fun. Tiens, je vais juste regarder si c'est installé, là. DNF, RPM. Ouais. Alors, je vais faire le processus. Je veux pas que ça installe trop de choses, là, mais. Popper. C'est bien ça que ça s'installe. Popper. Je ne sais pas c'est quoi. Bien sûr, il faut être en route. Qui est déjà installé. On est chanceux. Si j'installe la librairie de développement, il n'y en a pas. Tiens, je pogne celui-là ici. Ça me surprendrait que ce soit là. OK. Regarde, c'est bien. C'est pas très pesant, pour on l'enlèvera à la fin. Donc, ça s'appelle Cutter Report. Avant de faire la modification ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne en arrière-plan. Je vais retourner dans ma tâche cron qui est juste ici. Donc, c'est une tâche qui s'exécute aux 10 minutes. En fait, on va faire un Ansible pull de mon Git repo ici. Tiens, je vais copier tout ça ici. Juste ça ici, comme ça. On va aller en ligne de commande. Et je vais le faire une première fois, on va voir ce qui va se passer. Donc, fait important à noter, là, ici, regardez, ça s'est passé très rapidement. Donc, Ansible est allé voir du côté de Git. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis la dernière fois que j'ai roulé? Il dit non. Donc, je réexécute pas le playbook initialement. Donc, ça, c'est une switch. Je me souviens pas laquelle des deux, là. Je pense que c'est moins U ou moins O, là, qui permet de. À Ansible Pull d'exécuter le playbook seulement s'il y a eu des modifications. Donc c'est très cool, fonction super le fun de Ansible Pull. Donc ce que je vais faire, je vais commettre mon changement maintenant au niveau de mes packages qui est ici. Je vais éditer et je vais aller chercher le package que j'ai, Cutter Report, qui est juste ici. On va le rajouter. Added Cutter Report. On va faire un commit. OK. Donc, si je reroule le même playbook que tantôt avec Ansible Pull, donc Ansible Pull va chercher sur GitHub les changements. Oups, il y a eu un changement. Donc, il roule, il exécute le playbook. Donc, vraiment, fonctionnalité super le fun d'Ansible Pull. Honnêtement, je n'avais pas eu la chance de jouer beaucoup encore avec Ansible Pull. Mais avec cette petite option-là, c'est le fun. Donc, on ne roule pas, on ne prend pas du processus inutile. De la machine. Donc tout est beau. Donc ça a été installé. Donc je vais juste refaire l'inverse. DNF, remove. On va aller nettoyer ce que j'ai fait. Parce qu'en réalité, je ne veux pas garder ça. J'utilise pas ça. C'était des fins de démo. Donc on va aller tout supprimer. Ici. Bien sûr. On enlève ça ici. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Ansible Pull. Il reste 2 minutes, juste assez pour compléter sur le dernier sujet que je voulais vous parler. En fait, je voulais vous parler de Yumcat. Alors, qu'est-ce que c'est Yumcat? Donc, Yumcat, en fait, en réalité, c'est la technologie, c'est basé sur DNF. Donc, Yumcat, c'est la prochaine release de Yum qui va sans doute apparaître dans la prochaine version de RHEL. Donc, on est en mode test avec Yumcat en ce moment. Yumcat est basé sur DNF. En fait, c'est juste, je pense, c'est simplement le nom qui a changé. On veut garder le mot Yum parce qu'il est très, très fort dans la communauté RHEL, alors que les DNF l'est moins. DNF est une technologie qui a été introduite avec Fedora 18, mais qui est devenue par défaut dans Fedora 22 en 2015. Juste vous parler un petit peu de l'historique en arrière de DNF. DNF a été créé suite au décès un de mes collègues qui s'appelle Seth Vidal. Donc, je vous mets l'article qu'on avait relâché ici dans le chat. Enfin, relâché à sa mort. Donc, Seth Vidal était le mainteneur principal de Yum. Mais Yum pendant des années. Il a eu un accident de vélo. En fait, il était en vélo, puis un auto qui l'a frappé et est décédé. Et suite à son décès, bon, l'équipe qui est en arrière de Yum s'est assise. On a dit, on est peut-être rendu à un passage vers quelque chose d'autre. Donc, ils ont réécrit, en fait, ce que Seth avait fait, mais avec
en utilisant des technologies plus modernes, dont LibSolve, une librairie qui améliore en fait la résolution des dépendances, donc beaucoup moins d'erreurs de dépendance des fois qui sont inutiles. Là. Des fois, on reçoit des erreurs de Yum, puis ça fait pas de sens, c'est passé au travers de ça, c'est pas grave. Donc, Libsolve vient régler cette problématique-là. Fait à noter, Libsolve est une technologie qui a été développée du côté de Suse, donc qu'on a emmené du côté Red Hat. Donc, maintenant, au niveau de Yum 4. Yum 4, en fait, peut être compilé en utilisant Python 2 ou Python 3. Et il y a une API aussi qui est disponible au travers Python, mais on a fait des bindings en C aussi. Donc, c'est une petite correction, là. Je sais que dans le passé, j'ai déjà parlé un petit peu de Yum 4 avec les nouveautés de RHEL 7. Enfin, on peut tester Yum 4 dans RHEL 7 aujourd'hui. Je mentionnais que c'était développé en C, mais c'est pas le cas, là. C'est vraiment développé en Python, mais il y a des bindings en C si vous voulez développer des plugins pour Python. Donc, ce que, en fait, Yum 4 apporte, beaucoup plus rapide que son prédécesseur, que Yum 3 en fait. Meilleur résolveur pour les dépendances. Il y a beaucoup d'opérations, d'erreurs de dépendance qui sont ignorées avec Yum 4. Donc on va avoir beaucoup moins, on va sticker, on va avoir beaucoup moins de problèmes avec la résolution ici. Python 2, Python 3, support, meilleure utilisation de la mémoire. Et finalement, vous pouvez trouver le code source de DNF. Je le mets dans l'écran ici. Si vous voulez partager, en fait, Yum 4 qui est DNF, je vous le mets dans le chat ici. Je vais vous montrer, en fait, à l'écran, pour terminer avec ça, que c'est disponible pour test déjà sur CentOS, mais ça fonctionne aussi en réel. Et d'ailleurs, je vais le mettre ici. Si vous voulez l'essayer, voir les gains que vous avez, ça fonctionne déjà très très bien. Nous, en fait, ce qu'on a fait, malheureusement, je ne peux pas partager ce lien-là avec vous, mais je peux vous le montrer. En fait, on a, c'est notre wiki interne chez Red Hat qui a un appel, en fait, pour tester Yum 4, donc avec les bénéfices de Yum 4, et comment faire pour l'installer. Donc, je pourrais le laisser là, laisser ces étapes-là en fait dans la description du document. Ce que nos développeurs ont demandé, c'est des feedbacks. Donc, ça aussi, je pourrais vous donner le lien ici. Donc, c'est pour tous nos clients qui utilisent Yum aujourd'hui. On va avoir le feedback sur l'utilisation de Yum 4 si vous voyez des accros quelque part, ou soit des améliorations à apporter. Donc, nos développeurs travaillent très fort en ce moment sur ça et ont demandé un petit peu de mettre sur le marché, d'expliquer aux gens, là, c'est le temps de tester, de proposer des améliorations. Donc, je ferai tout ça dans le lien de la description de la vidéo. Les tests sont ici, si vous voulez essayer les tests. Moi, ce que j'ai fait, là, on manque de temps un petit peu, déjà 1 heure, presque 5. Je vais terminer avec ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait tous les tests qu'il y a ici et j'ai fait en premier avec Yum, après ça avec Yum 4 pour voir la différence. Et on a un gain vraiment en performance. C'est sûr que sur des petits systèmes comme mon laptop, il n'y a pas beaucoup de paquetage d'installer. Mais sur des systèmes en production, ben pas en production, mais des copies de systèmes en production, puisque Yum 4, c'est pas prêt pour utiliser en production, ça peut être intéressant de voir les résultats que vous allez aller chercher. Donc, je copierai vraiment tous ces tests-là dans la description de la vidéo ou peut-être sur un lien que je mettrai sur un interpad si vous voulez essayer. Donc, c'est ce qui s'en vient en fait avec dans le monde de Yum. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez aimé. C'était la dernière, encore une fois. On prend une pause. Je prends une pause en fait pour l'été. Je tombe bientôt en vacances et je vais revenir avec plein de matériel en août. Je suis certain que pendant l'été, il va y avoir plein d'annonces qui vont se faire, des nouveaux produits qui vont sortir. Donc, j'ai déjà hâte de livrer ce contenu-là, de vous livrer ce contenu-là à la fin de l'été. Donc, sur ce, je vous souhaite bel été, de bonnes vacances, puis on se revoit à la fin août.